bienvenue sur le stand des métiers du sport et de l'animation. Vous êtes ici sur l'attente de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous sommes présents aujourd'hui avec nos collègues des CREPS, nos collègues du centre de formation des apprentis dans les métiers du sport et de l'animation et nos collègues de l'université pour monter ce stand commun. L'idée, c'est que nous puissions en fait renseigner l'usager sur tous les métiers du sport et de l'animation et tous les diplômes qui existent en la matière, puisqu'ils sont assez nombreux et ils aboutissent pas forcément sur les mêmes prérogatives et puis les mêmes débouchés. L'idée, c'est que nous puissions renseigner l'usager, puisqu'en effet, le secteur du sport est un secteur qui est assez attractif et qui se professionnalise aussi de plus en plus. Il en est de même pour l'animation, puisque avec la réforme notamment des rythmes scolaires, on a une demande de plus en plus accrue en matière de directeurs et d'animateurs de centres de loisirs. Ce qui est intéressant notamment dans nos métiers, c'est qu'aujourd'hui ils sont accessibles par la voie de l'apprentissage. Ça se développe depuis une petite dizaine d'années et aujourd'hui c'est vraiment une voie intéressante aussi bien pour les apprentis que pour les employeurs, puisqu'on est sur une forme de contrat de travail qui permet en fait à l'apprenti de se former avec une formation payée par le conseil régional, une rémunération plutôt intéressante, en tout cas plus intéressante qu'une gratification de stagiaire, et souvent une insertion professionnelle qui est meilleure derrière. Nos métiers sont aussi accessibles pour les personnes qui sont notamment en volonté de reconversion professionnelle, pour les personnes qui exercent déjà un petit peu dans ces secteurs-là, par la voie notamment de la validation des acquis d'expérience. Tous nos diplômes sont accessibles par cette voie-là, par la constitution d'un dossier spécifique, mais également pour les personnes qui souhaitent simplement se reconvertir et venir vers des métiers qui sont passionnants dans les deux secteurs, animation et sport. En tout cas, nous restons à votre disposition pour toute demande d'information, que ce soit au niveau de la direction régionale, des CREPS, du CFA ou bien de l'université.